Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Les infrastructures, le secteur privé et le bien-être social, voilà les grandes questions abordées par le chef du gouvernement ivoirien aujourd'hui face à la presse. Daniel Cablan-Duncan en outre a relevé la consolidation de la stabilité en 2013 du cadre macroéconomique en Côte d'Ivoire avec un taux d'inflation maîtrisé à 2,6% reportage. Vingtième état de l'immeuble Siam d'Abidjan-Platon, ce lundi 28 avril, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan est face à la presse nationale et internationale pour son troisième rendez-vous du genre. À l'ordre du jour, les questions relatives aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être des populations. S'agissant des infrastructures, Daniel Cablan-Duncan a précisé qu'elles ont pour fonction essentielle donner à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement harmonieux. Plus de 500 milliards sont déjà investis. D'autres investissements sont prévus pour couvrir tout le territoire national et faciliter ainsi les mouvements des populations d'est en ouest, du nord au sud. Il s'agit du petit des routes Tibisou sakassou kani Kani-Boundiali, Boundiali-Odine, nassian bouna bouna Bouna-Doropo, toulepleu danané Dananie-Frontière-Guinée mais aussi de renforcement du tronçon Anibleco, frontière du Ghana, la construction des ponts d'Azito, de la baie du Banco, dit quatrième pont, du pont de Bétier, de Kouibli et de Cani. Couvrir tout le territoire national est une initiative louable, mais relier la Côte d'Ivoire au reste du monde et participer ainsi à la mondialisation de l'économie occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Voilà qui explique les investissements du domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation et l'extension de la regarde de fret d'aéroport d'Abidjan dont le coût s'élève à 26 milliards de francs CFA a été officiellement lancé le 1er mars dernier. En août, l'aéroport poursuit l'adaptation de ses pistes pour une réception aisée des trogoporteurs de type Airbus A380, mais aussi de Boeing 787 et sa mise en conformité aux normes de l'OACI. Pour une certification que nous espérons obtenir en cette année 2014, ce qui devrait nous permettre d'accueillir des vols en partance, mais aussi en provenance des États-Unis, notamment. Pays à façade maritime, la Côte d'Ivoire attend retrouver toute sa place dans ce domaine avec des investissements conséquents. Élargir la passe d'entrée du canal de Vridi et approfondir le tirant d'eau pour permettre l'accès de très gros navires. Le port autonome de San Pedro est également appelé à étendre ces, ces infrastructures et installations techniques. Au total, plus de 1000 milliards seront consacrés au secteur des infrastructures, a indiqué le Premier ministre, pour mettre la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi parlé des performances économiques du pays, euh, qui, selon lui, ont permis d'obtenir une croissance du produit intérieur brut, PIB estimé provisoirement à 8,7% en 2013, après le taux de 9,2% réalisé en 2012. Autant de chiffres qu'on essaiera de décrypter dans la grande édition avec Adam Aconé du service économie de la rédaction. Aujourd'hui, 28 avril, est célébrée la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le principal objectif de cette journée est de promouvoir dans le monde entier une culture de la sécurité et de la santé au travail. À l'occasion de cette commémoration, le Bureau international du travail a publié un rapport intitulé La sécurité en chiffres, qui montre que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour dans le 20 heures, le message du gouvernement ivoirien. À l'étranger, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, a réélu le 17 avril dernier pour un quatrième mandat, a prêté serment ce matin en fauteuil roulant. Costume trois pièces, bleu et cravate rouge, tassé dans son fauteuil, la main droite sur le courant. Le chef de l'État a répété d'une voix faible le texte du serment lu par le président de la Cour suprême, Slimane Boudi. Bouteflika, 77 ans victime d'un AVC il y a un an, a ensuite fait une brève déclaration qualifiant l'élection du 17 avril de grande victoire de l'État. En Centrafrique, ces quelques 1 300 musulmans qui se terraient en périphérie de Bangui sont partis dans un imposant convoi Ils ont été escortés par la force africaine Miska à destination du nord du pays. Ce départ, attendu depuis des semaines, s'est fait sans heurts. Les déplacés, perchés sur des remorques depuis de longues heures, ont levé les bras en signe de victoire quand les véhicules ont pris de la vitesse. Un tribunal égyptien a condamné aujourd'hui à mort près de 700 partisans présumés du président destitué Mohamed Morsi. La première condamnation à mort le 24 mars dernier, après une seule journée d'audience, avait provoqué un tollé dans la communauté internationale dans ce que l'ONU avait dénoncé comme le plus grand procès de masse de l'histoire récente dans le monde. Et ce soir, comme tous les lundis, le grand format. Ce soir, on s'intéresse à la réhabilitation de l'axe à couper, à zoper. Réhabilitation qui va coûter 21 milliards de francs CFA. Voilà qui marque la fin de ce flash info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h.